stocker tout ce qu'ils vont nous donner. On va lancer ça par ici. On va mettre ça à côté. On va les invoquer. Où est-ce qu'ils sont? What the fuck? Ils sont où? Attends. The Dark Listen. On peut se mettre en paisible. Au jeu. Pourquoi il s'invoque pas? Ah, je crois que je sais pourquoi. C'est parce qu'il me faut un niveau pour pouvoir les invoquer. C'est pas grave. On va aller stocker tout ça. On va mettre tout ce dont on n'a pas besoin. Limite la bouffe, comme ça on va la garder. On va se refaire. Ouais, même pas, on va aller à la hache. Parce qu'on est des barbares. Merde. On va bouffer un petit peu. Voilà. Bon, on est entre guillemets empoisonné, mais bon, c'est pas grave. Au moins, notre faim est remontée. On va aller là-bas. Enfin, que je suis pas sûr en fait pour le niveau. Vous savez quoi? On va faire une déco reco. On va se reconnecter rapidement. On va réessayer le bâton. Ah non, voilà. Et ils sont là. Donc voilà nos 4 minions. Voilà, ils sont assez sympas. Donc maintenant ils sont là, ils nous suivent en général. Même pas, ils restent là-bas. Je sais pas, de toute façon je vais leur demander un ordre. Donc on va leur demander de nous créer une petite mine. Donc rappris sur notre touche M. Avec Dick Mineshaft. Et là, ils vont nous creuser à l'endroit que je leur demande. Je sais pas si c'était le bon. Non, c'était l'autre clic. Bien joué. Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, lève-la. Je n'ai rien dit. Et voilà, ils sont partis. Et ils vont nous creuser. En 5 sur 5. Et ils vont mettre eux-mêmes des petits. Des petites échelles. Donc je vais vous montrer un petit peu au début comment ça se passe. On tout ramasser pendant ce temps-là, nous, on va vite fait se créer un coffre. Comme ça, quand ils vont remonter, ils vont taper leur truc dedans. Voilà. Donc les bois, je crois que c'est un des seuls trucs. Et encore, je suis pas sûr, je crois qu'il y a moyen de leur demander d'aller couper plein d'arbres. Mais je sais plus trop comment ça fonctionne. Donc là, on va créer plusieurs coffres. Voilà, on va en faire 3. Et alors, on va mettre ça ici. Et on va faire... Bon, ils vont aller donner à nous. Et quand ils remonteront, bon, on les tapera dedans. Et genre, il faudra qu'on fasse un double coffre pour chaque mine. Parce qu'à mon avis, on va faire tac, 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 et on va faire un truc bien, bien propre. Voilà à quoi ça ressemble. Et ils descendent jusqu'au moment où ils arrivent à la Nether. À la Bedrock, pardon. Et puis ils remontent et ils me donnent tout ce qu'ils ont ramassé. Mais apparemment, il y a moyen de leur dire de les mettre là-dedans. Mais je sais plus du tout comment ça fonctionne. Alors ici on peut leur demander de faire des trucs méga gros. Genre voilà 15 de largeur, le machin énorme. Et alors on peut leur dire de faire juste 25 de trucs. Enfin, il y a plusieurs comment dire fonctionnalités. Voilà. Notre mythe c'est ça. Et eux justement ce qu'il y a de bien c'est qu'ils vont peut-être nous ramener des ossements. Donc qu'est-ce que c'est les ossements? Eh ben, ça se remplace dans des pierres. Donc là bêtement on serait par exemple là. Et la pierre a une texture bizarre. Comme ça elle est un peu sombre. Et dans les pierres sombres ça nous donne des ossements. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les ossements? Il y a deux types d'ossements. Quand ils auront fini et qu'on en aura, simplement ça sera plus facile à vous montrer. Mais en gros les ossements nous permettent de faire tout ce qu'il y a en rapport avec les dinosaures. Moi j'allais vite fait sur mon truc, donc avec ça on peut créer
l'analyseur. Donc ça, c'est ce qui va permettre de créer l'ADN de dinosaures. Une fois que l'ADN est créé, on va créer un cultivateur. Et le cultivateur, c'est avec ça qu'on aura besoin d'un cactus. Et enfin, on devra faire cuire du cactus. Une fois qu'il y aura le cultivateur, on le fera dans le sol, parce que si jamais il rate, le cultivateur se casse, et ça inonde la pièce où il est. Et en plus, ça invoque une bestiole, comme ça, un truc genre un gros zombie qui vous court après. Donc, le fait de l'enterrer, en fait, ben, si jamais ça réussit pas, bah, le truc, il va être enterré et il va être bloqué et il va tuer tout seul. Donc voilà. Ensuite, on devra créer un Archaeology Workbench. Donc ça, c'est plus, si vous voulez, il y a X pourcentage de chance de dropper des fragments d'épée avec les ossements et l'épée. Il y a moyen de recréer une épée ancienne qui tape super fort et tout ça. Enfin voilà. Ensuite, il y a le tambour de commande. C'est un tambour qui va permettre de, entre guillemets, de gérer les dinosaures. Genre, on pourra leur dire de nous suivre si on tape une fois dessus. Deux fois... Attendez. Clic gauche avec un bâton en main. Ça envoie un ordre à tous les triceratops dans les 30 blocs. Si on fait un clic droit avec quelque chose, ça suit. Donc soit ça met en mode suivre, soit ça met mode mouvement libre, soit ça met immobile. Donc ça, c'est bien. Clic gauche avec un os dans la main, ça envoie la commande actuelle avec tous les Velociraptors dans les 30 blocs. Et clic gauche avec un bâton, ça... Attends, ne pas faire cela lorsque le T-Rex adulte sont autour. Parce qu'en fait, j'ai déjà testé. Et en gros, au moment où vous appuyez là-dessus, le T-Rex vous fonce dessus. Et eh ben, vous prenez très très cher. On voit ce qu'ils en sont, nos petits minions. Ils sont vachement bas. Regardez comme ça, ouais, ils descendent. Donc quand j'ai testé le mode pour voir s'il fonctionnait bien, ils m'ont ramené deux diamants hein, directement. Donc ils prennent vraiment tous les blocs qu'ils vont choper. Donc là on va avoir de la terre, puis on va avoir de la pierre. Et après voilà, là ils sont en train de taper du charbon, je vois. Encore un peu de pierre, et voilà, puis ils remontent, ils viennent près de moi, ils font For you master, un truc du genre. Et il vous tape toutes les ressources, vous votre inventaire blablabla qui remplit. Et voilà. Mais par contre, au niveau des minions, il y a un petit souci. Je sais pas comment on fait pour leur dire de mettre les trucs dans le coffre. Je vais essayer de me renseigner pour le prochain épisode. Parce que si on doit attendre, entre guillemets, à chaque fois qu'ils viennent nous donner et qu'on doit tout remettre dans les coffres, enfin, ça va être un peu long. Mais c'est pas grave. En attendant, on va les retaper. Encore un arbre. Parce que bon, des coffres, on va devoir en faire pas mal. Hein. Parce que bon, pour créer un parc complet, il va nous falloir quelques ressources. Et surtout beaucoup de bois, parce que bon, les enclos, de 1, il faudra les creuser, parce que vous allez voir, quand on aura des dinosaures, ils sont assez énormes. Et oh merde! Oh putain, j'ai failli crever. Oh! J'ai stressé. Faudrait que je sécurise ça aussi, histoire qu'on ne puisse pas tomber dedans. Parce que bon, une fois que le trou est vide, à mon avis, je ferai une plateforme autour. Et je laisserai le genre que ici d'ouvert et pas qu'on puisse tomber tout en bas, ce serait un peu con. Ah, voilà. Ils ont fini. Voilà, ils nous donnent plein de petits trucs. Voilà, tout ce qu'ils m'ont ramené. Ah ben voilà, des ossements. Donc ça, c'est les biofossiles, c'est les premiers. Et il y a aussi des autres biofossiles, c'est plus comme une cage thoracique, comme ça. Et on a eu aussi des crânes. On a eu du fer, on a eu du gravier, de la terre, beaucoup de pierres. Et ça, c'est pas mal. On va leur réordonner de refaire un dick mineshaft. On va faire ça. Peut-être décaler ici. Voilà. Nous, on va sécuriser le bordel. Il sort de ne plus tomber dedans. Voilà. Au moins, on saura que ici, on ne s'est plus tombé. On va mettre toute notre cobble là-dedans. Enfin, tous les stacks en fait. On va essayer de ranger ça. Voilà. Les stacks de terre, on va les foutre en dessous.
Voilà ici. Ça on peut garder. Ça on peut garder aussi. Les os, la redstone, les ossements. Ça va nous servir. Alors avec les crânes, j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose. Je regarde vite. Donc avec un bâton et avec un crâne, on peut créer quelque chose. On va aller voir ce qu'on peut faire. On peut faire ça. Voilà, on crée une baguette crâne. Et c'est avec ça que quand on tape sur le tambour, eh bien les dinosaures vous attaquent et vous chient à la bouche. Enfin, surtout le T-Rex en fait. Il vous one-shot, hein, littéralement. Donc faut pas avoir peur. On va refaire encore 3 coffres. Je crois que la métaphore, ça va vite me gaver. Ouais, j'ai des fois... Ah, je sais pourquoi mon souris fait ça. Parce qu'en fait, elle est surélevée et j'ai une petite cuillère qui est sur mon tapis de souris. Et du coup, bah, quand il rentre en contact avec mon tapis de souris, avec la petite cuillère, eh bien, ça soulève la... Comment dire ? Ça soulève la souris et la souris part en chemette. On va tout. On va profiter qu'on a des emplacements. On va y mettre notre truc. Donc là, on va mettre toute la cobble. Voilà. Là-dedans, on mettra toute la terre. Et ici, on mettra tout ce qui est ressources. Autre que la terre. Là, le bon, on va le garder. Biofossile, on va toujours garder ça ici. Tout ce qui a rapport avec les dinosaures, on va mettre ça en dessous. Les graviers, pour sa limite, on le fout par terre. Ça, on n'aura pas besoin. On l'a mis à la flotte. Et avant que ceux-ci soient remplis, eh ben, on a un peu le temps. Hein. Ils vont devoir faire quelques mineshafts avant, à mon avis. Un dig mineshaft qu'ils appellent ça. Oh, regardez. Du charbon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on va aller se faire quelques torches. On va aller rechercher, pardon, nos affaires. On doit le casser. Ça ira plus vite. Voilà. Ça, il nous faudrait ça pour le casser. Voilà, on va aller replacer tout ça là-bas en bas. Voilà, notre tour n'aura servi quasi à rien, mais bon. Il fallait quand même la faire, donc voilà. On va mettre notre four ici. Notre four, on va en avoir besoin pour le fer, le charbon, pour mettre dans le four. On peut tout mettre, il faut quand même nous en ramener. Tiens, une petite cuillère qui a encore frotté. Là, il faut mettre ça là. Les outils, on les garde sur nous. Tout ce qu'il n'y a pas besoin. Là-dedans, là-dedans. Tac, tac, tac. Là, on avait de la terre. Là, on avait de la cobble. Mais si j'ai pas de conneries, en peaceful, la bouffe nous sert à rien en fait. Il faudra que je vois avec vous ça. La canne à sucre, on avait dit qu'on ira la replanter. On va mettre ça comme ça. Où est-ce qu'ils en sont, eux? Regardez par au-dessus. Ah, ils avancent pas mal. Ah, je viens de voir de l'or. Il y a sûrement de l'or qui va remonter. Je vais essayer de baisser le son. Des trucs comme ça, parce que ça fait limite, on va voir s'il n'y a pas moyen de couper le son de la météo, parce que ça fait un bruit infâme. Et non, apparemment je peux pas l'enlever. Snooper, non, non, c'est pas ça. On sait pas l'enlever, tant pis, il y aura la pluie. Mais dans un premier temps, on aura ça. Bon, je vais voir vite fait
Est-ce qu'on peut pas déjà essayer de faire un cultivateur? Enfin, non, un analyseur. Ah non.